Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Steven Kahn, c'était un plaisir de vous parodier. Oh les gens, on va tester un nouveau sport. Et là, je suis le meilleur. Strike. Pousse-toi Tibo, je vais te montrer. C'est qui lui? Pourquoi tu fais le malin comme ça là? Ah bon, très bien. On va passer à la suite alors. J'aime Gaëtan, comment tu vas? Ça va, merci. La forme ou quoi? Tranquille? Oh ben je t'en prie, vas-y, présente-toi. Gaëtan, membre du Pôle France Bowling à Toulouse depuis 7 ans. J'ai été 6 fois champion de France, champion du monde, champion d'Europe jeune. J'ai gagné un tournoi international en Suisse. Donc ça va, tu maîtrises un peu. Ça va. Donc... Pour vous les gens, le strike il est pour vous. En fait c'était une technique spéciale, c'était juste pour taper celle de derrière, c'est fait exprès. Mettez un pouce bleu pour les encouragements. Ok Gaëtan, on est samedi soir, je veux faire du bowling. Première étape, choisir la boule. Laquelle déjà tu me conseilles? En fait ça dépend de ta main. Comme tu peux voir j'ai vraiment une main d'enfant pour le coup. On va essayer la médium. Elle est bonne celle-là. Oh putain dégueulasse. Non, t'as chacun mes protéines. Ah c'est vrai tu squattes et tout. Oh comme tu vois, il y a des repères sur la piste, il faut viser entre les points. Juste après, il y a les flèches, donc viser la flèche. Allez, petit test. C'était raté. Oh, presque. Et comment du coup que t'en es venu à te dire que tu vas faire du bowling comme sport en fait? Comment c'est né un peu? Bah par hasard. Ma mère on avait marre que je fasse rien le mercredi après-midi. Donc un jour on s'est arrêté au bowling, on a demandé si c'était un sport. Le mec à l'accueil nous a dit oui, il nous a dit de revenir la semaine prochaine. Et depuis j'ai commencé, au début j'y allais parce que ça m'amusait et un jour on m'a dit ouais t'es premier au classement dans ta catégorie. Et du coup maintenant c'est presque un métier. T'es presque... Quand t'es en soirée, tu rencontres des gens, tu discutes avec les gens, je fais du bowling comme sport. Les gens ils me regardent, ils rigolent, ils disent du bowling? Tu fais sportif de niveau en bowling? C'est une blague? Non, c'est pas une blague, c'est vrai, je fais vraiment du sport en bowling à très haut niveau. C'est quoi les facteurs qui rentrent en jeu en fait quand tu joues au bowling? La piste, les quilles, qui joue avant nous, comment la piste est inclinée ou pas. 3, 4. Attention. La bonne astuce, c'est bête. C'est comme si tu mets une main au cul. Une petite, ça? Une petite. Là, c'est bon, là, ça va, ça va mieux là. La main au cul et une petite. Ah non. Je suis trop bien éduqué, c'est pour ça. Le squat. Ouais, pour eux c'est pas un sport, c'est juste une activité. Venez avec nous, vous verrez, on fait plein de choses. Plusieurs techniques, plusieurs approches, plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc c'est vraiment... Boum. Un abonné. Gainage. Ouais, si on te propose un bowling, qu'est-ce que tu fais? Bah j'y vais mais ça m'est pas arrivé souvent. Ça m'est arrivé, on m'a proposé un bowling et on m'a mis un handicap négatif. Donc je gagne. Il y a le strike ou pas? Est-ce que tu crois au strike? Tu crois? Je reviens pour t'aider à faire strike. C'est la bonne. Allez, allez, allez. Ouais, oh. Pour vous les gens. Le bowling, toi, ça t'apporte un peu dans ta vie tous les jours hein. Ça m'apporte sur la vie personnelle. Enfin, on dramatise tout ce qui se passe et alors qu'il y a des choses bien pires ailleurs. Comment me battre quand je veux quelque chose, comment l'obtenir, donc en travaillant. De toute façon, on obtient tout qu'en travaillant, c'est ça. Big shot aveugle, c'est parti. Hop là. Piste, capuche, on voit rien. Oui. Allez. Putain mais c'est dingue! Alors c'est plus dur que je pensais. On va faire au mieux, on va s'entraîner, dur. Ça va le faire, À un moment donné, tu vas faire une erreur. Pour vous les gens. Allez. Wow. Vous avez toujours voulu savoir ce qui se passait derrière les boules de bowling? Regardez-moi ça les gens. Regarde ce système ingénieux. Et si tu veux juste dire un dernier message aux gens qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce que tu leur dirais tout simplement? Vive Tibo Inshape. Parfait, on finit là-dessus, bravo. Merci à toi, boum, vous êtes les meilleurs. Et voilà les gens, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, à suivre Gaëtan, les liens seront dans la description. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ah, les meilleurs. Ah.